Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Aircom sur XCOM 2. Une série dans laquelle on revient d'une mission, hein, de la mission... comment elle s'appelle? Du site secret d'Advent. Et une mission qui s'est couronnée de succès, qui s'est très très bien passée, où on a eu plein de promotions qu'on va mettre maintenant. Promotion sur Joker, notre spécialiste. Ok, donc on a un deuxième spécialiste qui va devenir lieutenant. C'est quand même un peu surprenant, mais pourquoi pas. Donc, soit tir de couverture, soit évaluation du danger. Tir de vigilance se déclenche pour toutes les actions ennemies, pas seulement les mouvements. Ok, mettons ça pour le moment. On verra. On voit qu'on a 20 PC. Hein, il est intelligent, il a 20 PC, donc on va probablement pouvoir prendre d'autres aptitudes pour lui. Simulation personnelle de combat, c'est quoi? 13 volontés. Bon, il n'a pas beaucoup de volonté de base, pourquoi pas, on verra. Ça m'embête un petit peu de mettre trop d'importance aux spécialistes. Hein. Pour moi, c'est vraiment une des classes les moins intéressantes, les moins importantes du jeu. Je sais pas pourquoi, hein. ils sont si haut level les deux. C'est un peu surprenant. Mais ok. Ici, on va pouvoir promouvoir elle aussi. Hein, donc on a eu l'acquisition de cible qui est très important. Éclat, que j'aime assez bien. Hein. Il faudra utiliser peut-être un peu plus les clés morts. Mais pourquoi pas déclenchement à distance, j'aime bien aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'on va prendre, quel que soit X. Et puis ici, donc on peut soit tueur silencieux, donc les éliminations au fusil vecteur n'augmentent pas la probabilité que le faucheur soit repéré. Ce qui veut dire que, si je ne me trompe pas, hein, normalement, si on tire, normalement, on a 50% de chance d'être repéré. Si on tire une deuxième fois après, sans avoir été repéré, ça va augmenter, genre à 80%, quelque chose comme ça. Ou peut-être 75%, j'en sais rien. Mais ça augmente, et puis après, ça sera 100%. Là, je crois que ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que si on tire et qu'on tue, on reste à 50%. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas du tout se faire repérer. Je crois que c'est ça. Mais c'est bien, hein, c'est très bien, mais c'est pas non plus... C'est pas si vous tuez, vous restez invisible. C'est pas aussi OP que ça. Distraction. Une victime par clé mort met le faucheur dans l'obscurité. Okay. Aiguille, perforation d'armure plus 2 pour tous les tirs depuis l'obscurité. Ouais, ça peut être pas mal. Visée holographique, les tirs de votre arme, réussis ou non, marquent la cible. Ce qui améliore la vision de l'escouade contre elle de plus 15, ce qui peut être pas mal. Hein. Ce qui peut être pas mal. Parce que c'est pas un personnage qui fait très très mal, mais si ces tirs peuvent permettre aux autres d'arriver à toucher plus facilement la cible, ça peut être très très intéressant. Donc on va de toute façon mettre le déclenchement à distance, ce qui est très très bien, hein. Ça permet de déclencher un explosif. À distance, je crois, sans être repéré. Ouais, le faucheur n'est pas repéré. Donc ça peut être vraiment très très intéressant, on peut se faire plaisir avec ça. Visée holographique, j'aime bien l'idée. Tueur silencieux, j'aime aussi bien l'idée également, mais c'est peut-être moins important. Je vais mettre visée holographique, écoutez, je vais mettre visée holographique. J'aime bien cette idée d'avoir un personnage qui est pas forcément très très... qui fait pas beaucoup de dégâts, mais qu'on peut utiliser pour marquer un petit peu. Tireur d'élite, sergent, ok. Qu'est-ce que tu gagnes en tant que sergent? Main fulgurante, tirer avec votre pistolet sur une cible, l'attaque ne coûte aucun point d'action, et œil de lynx. Alors ça, j'aime beaucoup. Œil de lynx, moins, mais main fulgurante, c'est très très intéressant, parce que ça permet justement de faire deux actions. Hein. On peut par exemple tirer, je vous donne un exemple. Vous êtes... après, on n'a pas encore, mais au prochain rang, on aura le Death from Above. Je ne sais plus le terme en français. On peut peut-être juste regarder. Peut-être moyen. Modifier les options. Interface. Je ne sais plus où c'est. Je crois pas que c'est dans les modes. Peut-être jeu, simplement. Voir aperçu cible, mode rapide activé. Voir la santé de l'ennemi. Oui, j'ai activé le mode rapide. Je sais pas si je l'avais déjà fait avant. Mais en tout cas, je l'ai fait maintenant. Je préfère hein, ça skip un peu quelques-unes des animations. Graphisme, non. Affichage. Non, je crois, je sais plus où c'est, peut-être dans les modes. Mais je pense pas. Je sais plus. Quitter sans modifier. Je sais plus où c'est, mais on peut, je crois, voir les promotions qui sont verrouillées.
Là, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, hein, c'est un sort, une capacité qui fait que quand on tue quelqu'un depuis une distance, enfin depuis une élévation, on continue à jouer, en fait, on a une action supplémentaire. Et donc ça peut être très très utile, hein, si vous avez par exemple un mec qui a un mecha qui a genre 10 HP, vous faites 8 de dégâts, vous avez un mecha qui a 10 HP, et puis après plein de soldats qui ont entre 5 et 6. Vous pouvez très bien faire main fulgurante pour d'abord affaiblir le mecha, puis tuer le mecha, puis faire une série assez énorme de kills. Donc j'aime vraiment bien ça. Œil de Lynx, c'est que c'est cool aussi. Hein. Ça pourrait avoir à peu près la même utilisation, hein, tout à fait honnêtement. Mais ça, main fulgurante permet aussi, par exemple, le cas où vous vous déplacez. Hein, vous êtes obligé de vous déplacer, vous avez un tir de main fulgurante et un tir après de possible avec votre pistolet. Un deuxième tir de possible avec votre pistolet. Donc oui, on va prendre main fulgurante. Et puis, alors simulation personnelle de combat, je me rappelle déjà plus, c'est quoi? Volonté. Okay. Pas trop à qui donner volonté, pour être honnête. Ranger, oui, on va te promouvoir. Alors, marche furtive, hein, tu déclenches pas les tirs de vigilance. Très bien. Volonté, ça pourrait être intéressant pour lui, pourquoi pas, hein, pour pas être manipulé. Mais j'ai peut-être un meilleur ranger, pour être honnête. Je sais pas trop. Est-ce que j'ai un meilleur ranger? Oui, j'ai Léa. Léa, je sais pas si elle a. Bon, je peux pas la voir actuellement, je sais pas si elle a un PCS. Bon, on verra, de toute façon, on n'a pas besoin de le mettre maintenant, si jamais. Puis j'ai encore pris un level sur elle. Alors là, ça va être très très simple. Parade, très clairement. Aucune discussion. Ça veut dire en gros, hein, l'idée c'est qu'une fois qu'on a fait une attaque, on peut se déplacer avec élan. Là, on peut choisir plutôt de rester à l'endroit, mais que la première attaque qui nous arrive dessus est forcément parée. Donc on n'est pas en couverture, mais par contre on peut parer, c'est quand même très utile. Endurance. Si le soldat de la classe Templier subit des dégâts suffisants pour le tuer, il est immédiatement mis en stase pendant. Enfin, ça c'est très très bien aussi. Je pense qu'on va prendre les deux pour être honnête. Ok, d'accord. Réplique. La visée de votre escouade augmente de 15 contre une cible touchée par Volt. Ok, on va pas tellement utiliser Volt, on va plutôt en tout cas utiliser au début le Rennes. Et puis on va prendre Endurance, honnêtement. Hein. Endurance, ça fait que si il est mort, enfin si elle est morte, au lieu de mourir, elle entre en stase. Et ça peut être vraiment très très pratique quand on fait pas trop gaffe. C'est très très bien. Volonté, ça pourrait être intéressant chez le Templier aussi d'ailleurs. J'aime bien mettre mobilité ou armure, mais pourquoi pas, hein, volonté, ça peut le faire aussi. Mais on verra ça plus tard. Hein, c'est pas forcément, on n'est pas obligé de le mettre maintenant. Juste voir où on en est. 8-9 jours, je vois, hein, globalement, mais je pense qu'il serait tout à fait possible. Bon, on a deux spécialistes, toujours un peu le même problème. T'es avec Lisa Perkins, ouais, 8 jours aussi. Ok. Donc, ouais, avant 8 jours, je pense que c'est pas forcément une bonne chose d'essayer de faire une mission. Si on doit le faire, on pourra, hein, on pourrait toujours mettre un des deux, typiquement. Joker, moi c'est celui qu'on vient de mettre, ou elle par exemple. Malheureusement, Léa Taylor, rasoir, est pas là. Malheureusement, c'est un peu dommage. Est-ce qu'on a un ingénieur? On n'a pas d'ingénieur au cercle de résistance. Ça pourrait être intéressant d'avoir un ingénieur au cercle de résistance, honnêtement. Ça m'embête un petit peu parce qu'on a trois ingénieurs. On a un dans le terrain d'essai. On pourrait peut-être virer celui du terrain d'essai. Jack, bon, vous me direz, ce serait bien d'avoir le Jack aussi pour pouvoir avancer dans la quête. Donc on va peut-être laisser pour le moment dans le terrain d'essai, et puis tant pis. Voilà, on va perdre un point sur le projet Avatar. Cool. Ok, scientifique, renseignement. Alors, moi j'étais sur scientifique, vraiment. Les deux, cela dit, les deux. Mais d'abord scientifique. Et puis après, il faudra contacter aussi une autre région. C'est toujours le problème que j'ai avec ce jeu. C'est que je sais jamais quand m'arrêter. J'ai toujours envie d'aller chercher ces trucs, et puis en fait, au bout d'un moment, je me dis non, mais il faut faire autre chose, sinon on va pas s'en sortir. Canon magnétique, fusil ghost, ouais, ça c'est très bien, on peut améliorer donc ça, l'arme des faucheurs, on peut armer surtout le sniper, c'est très bien, et le nouveau canon. Ok, on peut. Radio de la résistance, bon, c'est intéressant. Cryptage extraterrestre, ça fait partie de la mission, mais surtout on va voir juste aptitude psionique, ça m'intéresse beaucoup. On a ça dit une inspiration de 3 jours. Fais ton inspiration, puis après on fera les trucs Mettre en psioniques. œuvre, commandant.
Puis après, on continuera sur la quête. On n'est pas obligé de faire la quête tout de suite. Hein. On peut apprendre une nouvelle cible. Ok. Alors, sabotage de l'émetteur. Modéré, on gagnerait des renseignements. Ça serait intéressant. Opération ennemi retardé. Traque sauvage. La probabilité de voir les élus apparaître au combat augmente. Ok. Et puis l'autre, Asie de l'Est, protégé appareil, difficulté difficile. Une scientifique. L'autre, c'était des renseignements. Hein. Projet Avatar, avancée majeure, fait avancer la jauge de progression du projet Avatar de 2 blocs. Ok. C'est pas la pire des choses. Il n'y a pas d'événement. Ici, c'est quoi? Les ombres. Ah, je déteste les ombres. Vraiment, je déteste les ombres. Je trouve ça chiant, en fait. Honnêtement, ça me... Je comprends. Il y a un point positif, c'est que ça... Ça nous incite à ne pas utiliser d'explosifs dans nos missions et du coup ça nous fait penser à certains aspects. Pourquoi pas? Mais autrement c'est vraiment gonflant. Je trouve que c'est juste gonflant en fait. Donc je vous avoue que j'ai tendance à éviter les missions avec les ombres. Cela dit c'est une mission modérée, on a de loin pas notre meilleure équipe donc ce serait intéressant de faire une mission qui soit pas trop compliquée. Je pense qu'on aura par exemple pas de Ranger, ce qui est pas top. 69 renseignements, on les cherche, on en a besoin, ça serait bien. Cela dit, ici, un scientifique, ce serait bien aussi. Difficulté difficile, c'est plus embêtant. Protéger un appareil, c'est un peu frustrant, ce genre de mission. Et puis, la dernière que j'ai faite, j'ai cru que je pétais un câble. Il restait un HP parce que j'ai mis 3 fois de suite sur un Andromédon. Un Andromédon transformé, hein, une carcasse d'Andromédon en fait. Un HP, il le restait, j'arrivais pas, j'ai raté deux tirs à plus de 80%. Et il est arrivé, il a rien fait d'autre que donner le dernier coup sur le truc que je devais protéger. Et j'ai perdu la mission à cause de ça. C'est vraiment le truc le plus frustrant du monde. Et puis bon, là on aurait un scientifique, ça c'est très très bien. Opération majeure. Avancée majeure. Franchement. Est-ce que c'est vraiment important? On en est où sur ce machin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est pas super important. Enfin, pour moi, c'est pas super important, honnêtement. Et puis là, on a dit. Possibilité de voir les élus apparaître au combat augmente. Ouais. Bon, en l'occurrence, on est chez l'assassin, donc ce serait pas terrible de devoir. Pour moi, c'est quand même un peu un des plus compliqués, l'assassin à gérer pour moi. Cause de de sa furtivité. Je pense qu'on va aller voir. On va aller voir. Je suis même pas sûr qu'on en fasse une parce qu'on n'est pas vraiment dans une super situation. On n'a pas vraiment de bons soldats. Mais on va voir un peu. Commandant, je dois vous prévenir, Trois nous détectons spécialistes. des ombres dans le secteur. Nos Ouais, forces on détecte devront des ombres. redoubler de J'en doute vigilance. pas. Alors, toi, t'es, on va dire, avec. Rasoir, mais rasoir elle est pas là. Toi, t'es avec décharge, mais décharge elle est fatiguée. Ok, peu importe, on va quand même en mettre un des deux, ça c'est sûr. Si je prends Joker, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu soignes quoi. Tir de couverture. Ouais. Et puis l'autre. T'es quand même meilleur globalement. Hein. T'as pas le protocole de stimulus, mais tout le reste tu as quoi. Plus encore, on va dire, le protocole médical en rab. Bon, cela dit, je crois que si je me trompe pas, lui. Ouais, lui a plein de PC. Donc on va déjà utiliser ses PC en faire quoi que ce soit. Alors, course et tir, pourquoi pas? On en parlait, hein, intéressant. Évaluation du danger, je suis pas un super fan. Protocole de détraquage, c'est intéressant. Mais écoutez, on va faire ça et ça, et puis essayer de le rendre un peu plus intéressant au combat. Et puis voilà, je pense qu'on va gentiment y aller. Commandant, un de nos soldats doit être équipé du jack.
C'est vrai que ça peut être intéressant si j'ai le jack, mais je crois pas que j'ai le jack. Je crois que je suis toujours en train de le construire, donc je sais pas de quoi tu parles, mec. Faut que t'arrêtes de fumer des trucs. Voilà, grenadier. On n'a pas de templier. Pas grand chose, honnêtement. Ranger sera en deuxième classe. En difficulté modérée, quoi. Sabotage. Saborder un émetteur. Ouais, ça me gonfle. Hein. J'ai vraiment pas envie de faire cette mission, je dois vous le dire. J'ai pas une bonne équipe, mais bon, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Puis ben ouais, mais moi, le deuxième spécialiste, pourquoi pas, histoire d'avoir quelqu'un d'autre qui a un petit peu du vol. On va une équipe baraque. Ce que je peux fabriquer comme objet en termes d'armes. Ok. Mm-hmm. 100 ressources, 10 alliages d'extraterrestres. 100 ressources, 10 alliages d'extraterrestres. J'ai pas assez d'alliages pour faire les deux, quoi. Bon, fais-moi le canon pour le moment. Bouclier mental, ça pourrait être utile. Moi, je suis pas forcément certain que ce soit très très utile pour le moment. Toi, tu vas garder un medkit. Ouais, ça me paraît correct. Et toi, où est-ce que tu en as de ce côté-là? Ouais, toi aussi, ce serait bien que tu aies un medkit en fait. Un deuxième medkit. Moi, on sera safe. Ensuite, toi, caporal, donc tes couleurs sont correctes, si je dis pas d'histoire, était un sniper, ok. Alors, tu vas nous mettre ton arme araignée, tu vas mettre le fusil de précision de l'autre, ton pistolet magnétique, ok, grenade à fragmentation, non, munitions AP, simulation personnelle de combat, non. Toi, t'es un caporal, donc tu changes de couleur déjà, en fait déjà on va te mettre... Hein, on n'a toujours pas l'autre. Ok, d'accord, tant pis. On va déjà te mettre. On va te changer de couleur, hein, comme on disait. Ça, c'est juste. Et puis, hop. Nickel. En termes d'équipement, hop. T'as un canon magnétique ici. 5% de chance d'élimination. Et puis, tu peux encore l'améliorer. Qu'est-ce que tu peux mettre? Alors, on a des chances de coups critiques. 15%. Gâchette facile. Chance d'action bonus. Visée augmentée. Augmentation, ouais. Chance de coup critique, je sais pas trop, on va voir un peu, ça dépendra des autres. Tu pourras augmenter ta volonté. Je pense pas qu'on va encore une fois, hein, sur des gens d'aussi bas level. Deuxième classe, ok. Donc on va te personnaliser. On t'a pas encore eu. Donc toi, t'as rien. T'as un shotgun, mais c'est tout, quoi. Puis, tu sers un petit peu à rien, quoi. Bon, c'est pas top. Équipement, on va te mettre le canon à fragments, donc celui qui a plus de coups critiques, puis on va, je pense, changer ça, on va enlever coups critiques et on va mettre visée augmentée, comme on disait. Et puis ici, chance d'action bonus, yep. Voilà, simulation personnelle de combat, non, de nouveau, t'es trop faible. Et ici, on va te mettre le gilet nanométrique, probablement. Tu vas devoir quand même aller théoriquement au combat. Deuxième shotgun. Un deuxième ranger squaddy. Ok. C'est un peu le baptême du feu. Hein. Chance de coup critique plus 10%. Grenade fumigène, ouais, génial. En même temps, il n'y a pas de raison de ne pas la prendre, donc prends-la. Et tu peux aussi augmenter ton arme. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Rien ici, d'accord. Et toi, t'as pas non plus d'armes améliorées. Déjà, t'as pris un level. Donc, t'es plus. Orange, c'était là. T'es même plus. Vert, t'es bleu, théoriquement. Alors, on va mettre. J'aime bien généralement mettre le bleu assez. Un bleu comme ça, bleu-gris, que j'aime bien. Qui ressemble un peu au vert, mais c'est pas très, très important.
Amélioration d'armes, ouais, chance de coup critique, 15%. Prends les 5%, pourquoi pas, honnêtement, prends les 5% de chance de coup critique. Hein. Et puis, toi, on va te mettre l'autre. Chance de coup critique, quitte à avoir les chances de coup critique sur un shotgun, autant y aller jusqu'au bout. Quoi. Voilà. Et puis, on va pas mettre encore le truc de... Enfin, le changement. Ici... Qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant en plus pour ce personnage-là? Et on va voir. Bouclier mental. Pourquoi pas. Hein. Détecteur. Bouclier mental, j'aime bien, je dois dire. Mais c'est 45 ressources à mettre quand même. Ah, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Pourquoi est-ce que... J'ai vu que j'avais une flashbang, mais je peux pas mettre de flashbang ici. Des fois c'est un peu buggé, donc on va juste être sûr que ce soit le cas, parce que ça me paraît bizarre. Non, je peux mettre une flashbang. Très bien, et puis ici malheureusement je peux pas reprendre une grenade, donc on a quand même une flashbang sur lui. Parce que c'est vraiment ce qu'on cherche. Sachant qu'il y a des... Ouais, bon, sachant que de toute façon il y a des lost qui sont là, enfin des ombres qui sont là, donc... On va éviter les grenades un peu, je pense. Bon, on va tenter cette mission. Encore une fois, pas fan de l'idée. Je préférerais ne pas avoir à faire ce genre de mission. Mais surtout pas avec presque uniquement des squaddies, enfin des deuxième classe. Et des caporaux. Quand même très faibles. Et puis ben nos deux soldats qui sont un peu expérimentés, qui ont un peu du level, c'est deux. J'arrive vraiment pas à comprendre comment c'est possible qu'on ait des spécialistes qui soient level comme ça. C'est généralement. Ouais. On pas des très très bons soldats. Alors saboter l'émetteur, il va falloir le faire en temps probablement relativement record, j'imagine, en quelques tours. Mais bon, on a toujours cet avantage que tant qu'on n'est pas repéré, le timer commence pas, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà. On est dissimulé, c'est très bien. Mais on verra tout ça au prochain épisode, puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine.